Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence débat. Nous allons découvrir ensemble un savoir-faire horloger inédit, savoir-faire transmanche, dans le cadre du jumelage qui relie la commune, la capitale du cuivre, la commune de Villedieu-les-Poêles, Ruffigny, et la paroisse Saint-Sauveur sur l'île de Jersey. Nous allons parler de ces relations transmanches, de cette relation inédite entre Normandie continentale et île anglo-normande. Cette visioconférence est proposée avec le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel. Alors, pour rentrer dans ce sujet, je vous propose de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Il existe des relations extrêmement dynamiques portées entre les îles anglo-normandes et de grands terroirs du département de la Manche. Et cette relation entre le littoral, entre les îles anglo-normandes et le département de la Manche est stimulée par beaucoup d'échanges, de passerelles, et nous allons découvrir comment précisément le savoir-faire, l'horlogerie, a été un élément extrêmement fort de la rencontre pour explorer la valorisation de nouvelles ressources liées à la mer. Et donc, c'est précisément ce sujet, ce rayonnement de la Manche au-delà des mers et des océans que je vous propose de découvrir ensemble. L'horlogerie a utilisé beaucoup de matériaux extrêmement innovants, de matériaux biosourcés, et le savoir-faire horloger a aussi rayonné en Extrême-Orient, en Asie et notamment au Japon, où a été explorée en particulier la montre à quartz. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de remarquer que dans la reconquête urbaine de grandes villes, de nouveaux quartiers, en particulier des gares, qui sont en lien avec le temps, remettent en forme, recréent ce lien. Et vous avez ici l'exemple d'un quartier européen des affaires qui s'appelle Urban Quartz, ce qui montre que Villedieu, capitale du cuivre, au cœur de la Manche, a énormément de potentiel pour valoriser son travail autour des matériaux biosourcés, ce passage de témoin entre terre et mer que nous allons découvrir. Alors, nous allons voyager et en particulier faire un petit détour historique pour découvrir un savoir-faire horloger en mécanique horlogère et en mécanique d'art qui aujourd'hui a été inscrit à l'UNESCO. Depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art, avec un bassin historique que vous connaissez sans doute, qui est plutôt la Franche-Comté, aux portes de la Suisse, ce Jura suisse qui a été un berceau de l'innovation. Nous allons découvrir ensemble comment Villedieu a été aussi au cœur d'un arc horloger transmanche avec nos voisins anglo-normands et en particulier avec la baie du Mont-Saint-Michel, pour notamment y développer une valorisation extrêmement intéressante de coquillages et de minéraux marins. C'est la reconversion du savoir-faire horloger que je vous propose de découvrir ensemble. Elle est à la fois extrêmement originale parce que la candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire pour sa mise en évidence d'un patrimoine culturel immatériel transfrontalier. Et cet espace transfrontalier est extrêmement intéressant pour le sujet d'aujourd'hui avec Villedieu et en partenariat avec le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel. L'horlogerie s'est reconvertie sur de nombreux usages. Elle a eu des apports extrêmement positifs dans la Manche pour cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses dans l'alimentation, dans la recherche autour de la nutrition santé. Et c'est cette histoire que je vous propose de découvrir ensemble. Et donc, à travers ce jumelage, ce prisme historique de la relation qui existe entre Villedieu-les-Poêles
et la paroisse Saint-Sauveur à Jersey, je vous invite à découvrir un voyage dans l'espace et dans le temps. Retenez que le savoir-faire horloger s'est aventuré sur la mer, ce qui montre véritablement ce lien extrêmement intéressant entre des terroirs, entre terre et mer. Alors, rappelons, pour ouvrir cette conférence, les origines extrêmement mystérieuses du métier d'horloger qui, à l'origine, s'écrivait sans H. Ce métier remonte à l'époque de Charles Quint, qui, pour sa guerre contre François Ier, va recruter des horlogeurs, notamment pour le réglage des canons. Ce qui explique peut-être le terreau d'invention que la Manche développera, car extrêmement exposé sur les mers, sur cet axe transmanche, ce couloir vers l'Europe du Nord, où les Habsbourg, la grande Armada espagnole, a aussi essaimé. Et il y a eu dans la baie du Mont-Saint-Michel des échanges extrêmement riches avec l'Espagne, qui ont aussi stimulé des savoir-faire en matière d'innovation. Je vous parlais du quartz, qui a été aussi un élément extrêmement important de découverte, lors notamment de recherches archéologiques, et qui permet peut-être de saisir l'environnement nomade des échanges qui ont pu justement exister sur l'espace transmanche. Alors, le savoir-faire horloger, comme je vous l'indiquais, est fortement lié à un élément fort politique relatif à la question des frontières. Louis XIII et son fils Louis XIV, ayant repris la Franche-Comté à l'Espagne, ce contexte politique des frontières va énormément bouleverser également notre relation à la mer et notre relation aux océans. Le roi de France va mettre en place toutes sortes de dîmes et taxes et toutes sortes d'impôts, et les Franc-Comtois vont rapidement se rendre compte que du côté suisse, c'est moins cher. Et une contrebande horlogère va s'organiser sur les côtes normandes en relation avec les îles, et c'est précisément cette contrebande de connaissances et de compétences qui se poursuit toujours aujourd'hui, ce qui montre un formidable canal d'innovation, un transfert extrêmement riche qui a pu se développer. Aujourd'hui, cet enseignement autour du savoir-faire horloger existe toujours, tout près aux portes de la Normandie, à proximité des Marches de Bretagne. Vous avez un campus des métiers qui est très ouvert sur la baie du Mont-Saint-Michel et qui permet aujourd'hui encore de transmettre ce savoir-faire. Alors, je vais vous parler d'une bijouterie-horlogerie qui a beaucoup fait sensation dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui avait comme emplacement historique la grande rue des Stuarts. Cette bijouterie-horlogerie a été créée par mon arrière-grand-père et elle a développé une très forte émulation pour décloisonner l'innovation avec les territoires, sur les côtes normandes, en relation avec les inventeurs et les innovateurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce qui explique, et pour résumer la grande culture de l'innovation de cette bijouterie-horlogerie familiale, j'ai mis en bas de cette slide peut-être ce qui peut effectivement résumer ce tempérament, cet ADN de l'innovation. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors, voudrais revenir peut-être au rôle de détaillant avec la marque Zenith qui a développé cette bijouterie-horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a effectivement une marque que vous avez dû voir dans la vitrine de cette bijouterie-horlogerie sur la précédente slide en photo, une marque horlogère qui à l'époque fait beaucoup sensation. Elle est la première à bâtir et à imaginer de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé, en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble de ces métiers d'horlogerie
et une véritable innovation et fait considérablement progresser la technique en réduisant les erreurs et les malfaçons. Alors, cette marque Zénith qui fait sensation dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui a une notoriété grâce à plusieurs expositions universelles, a été portée par plusieurs personnalités que vous avez ici sur cette slide. Ce qui est assez exceptionnel, je voudrais vous parler de certains pionniers qui se sont appropriés cette marque Zénith. Il y a en particulier Gandhi, qui avait extrêmement peu de possessions matérielles, mais qui avait cette montre de poche Zénith qui signalait notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Elle aurait été volée, notamment lors d'un voyage en train, mais heureusement, le voleur, rempli de culpabilité et de remords, lui aurait rendu 6 mois plus tard en lui demandant pardon. Et cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Alors, les temps pionniers de l'aviation ont aussi fortement stimulé l'horlogerie, puisque Louis Blériot a aussi porté une marque Zénith et il a aussi témoigné par écrit dans un journal qu'il était extrêmement satisfait de la montre Zénith dont il recommande le grand souci d'exactitude. Voilà, vous avez ici une lettre qui, justement, avait été écrite par Louis Blériot. Revenons maintenant sur cette baie du Mont-Saint-Michel qui a été ce passage de témoin entre Villedieu-les-Poêles, Rouffigny et les îles anglo-normandes. L'innovation a circulé extrêmement vite aux portes de la Normandie, sur les côtes normandes, en s'ouvrant vers les îles, mais aussi vers la Bretagne et en particulier l'Ille-et-Vilaine. Ce qui a permis de permettre à l'innovation de circuler extrêmement vite, c'est plus particulièrement le travail d'un territoire qui a su fonctionner en réseau. D'où l'expression de l'espace solide des territoires à l'espace fluide du monde. Et il y a eu un arc horloger transmanche qui s'est développé, qui a reconverti des savoir-faire horlogers pour être un véritable moteur de valorisation de la propriété intellectuelle de l'agriculture autour des sciences du vivant, des biotechnologies et de la nutrition santé. Alors, pour bien comprendre ce cheminement, il faut vous imaginer sur une plage, en promenade dans la baie du Mont-Saint-Michel, et bien souvent, vous pouvez observer des nombreuses traces de coquillages sur le sable, et bien sans le savoir, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. La baie du Mont-Saint-Michel a été un écosystème extrêmement riche en calcium, et elle va donner naissance aux industries probiomères. C'est un processus de créativité qui émerge dans les années 20, dans les années 30, avec une reconversion exceptionnelle d'un savoir-faire horloger qui était très présent. Vous avez bien entendu des horlogers à Villedieu, le royaume de l'horloge, notamment rue Sadi Carnot, qui témoigne encore de ce grand passé horloger, et la Manche a été un véritable pôle d'innovation, parce que le savoir-faire horloger s'est aussi adapté à de nombreuses ressources sur le territoire, entre terre et mer, et nous allons explorer le sujet ensemble. Ici, vous avez le premier logo des industries probiomères qui a beaucoup fait parler de lui, parce que ce logo a suscité un contentieux, notamment avec la société Shell. À l'époque, il était considéré que ce logo était considéré comme extrêmement proche et beaucoup trop proche du logo des stations-service que vous connaissez tous. Alors, l'innovation qui s'est développée par les industries probiomères a été essentiellement orientée vers la valorisation
du calcium et le renforcement notamment du calcium de coquille d'œuf en utilisant comme complément alimentaire naturel le sable coquillé de la baie du Mont-Saint-Michel. Cette innovation qui utilisera le savoir-faire horloger pour briser des coquillages dans la Manche sera récompensée par la prime d'honneur du ministère français de l'Agriculture lors de la grande crise de 1936. L'extraction du sable coquillé au large de Chauzet sera aussi stimulée grâce à des relations avec des marins-pêcheurs, et notamment un bateau, le Saint-Pierre, qui fera référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et le nom Césarée, pour désigner Jersey, fut maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Enium, forme latinisée désignant la très grande île. Jersey se trouvant être la plus grande île mentionnée à l'époque antique dans l'itinéraire d'Antonin qui la situait entre Aurigny et Ouessant. Alors, les industries probiomères qui ont utilisé l'horlogerie pour l'appliquer au domaine de la nutrition santé, de l'agriculture et de la valorisation de nouvelles ressources liées à la mer ont d'abord développé une culture du brevet. Des brevets ont été brevetés avant de les industrialiser. C'est effectivement ce développement de l'innovation qui a été extrêmement intéressant. Des partenariats atypiques ont aussi été développés pour permettre un développement international. Les industries probiomères se sont implantées près de Saint-Malo et ont à ce titre mis en place des relations à la fois étonnantes avec des filières de l'économie monastique. Ce sont en particulier les moines de l'abbaye de Sept-Fons qui fabriquent la germaline, mais aussi des relations avec des milieux scientifiques. Et je pense en particulier à la biologiste Lucie Randouin, à une époque où l'agrégation était principalement réservée aux hommes. Et cette grande chercheure biologiste, Lucie Randouin, va être la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Ce qui va aussi pousser les acteurs de la baie du Mont-Saint-Michel à innover, c'est la recherche de nouveaux matériaux biosourcés. Ce biomimétisme qui sera extrêmement stimulé, en particulier parce que les huîtres qui étaient utilisées pour renforcer le calcium de coquille d'œuf va se heurter à une période de pénurie. Pénurie dans la baie du Mont-Saint-Michel avec les maladies qui sera rencontrée auprès de nombreux coquillages marins et en particulier les huîtres. Les ostréiculteurs, en particulier de Cancale, recevront l'aide de leurs homologues japonais pour reconstruire les parcs décimés. Et la même année, Rennes se développera un jumelage avec Sendai au Japon. Alors, ce sujet est intéressant à développer parce que il y a aujourd'hui, de l'autre côté de la Manche, des dynamiques d'innovation qui rentrent dans l'agenda et font partie pleinement intégrante des prochaines COP et en particulier de la COP 26 qui se déroulera au Royaume-Uni, à Glasgow. Il y a la COP 21 qui a fait beaucoup parler d'elle en France et rapidement des pays qui se sont intéressés à des innovations, notamment pour utiliser l'amidon de manioc qui a été notamment une alternative lors de la pénurie d'huîtres, de coquillages marins qui fragilisait l'écosystème de la baie du Mont-Saint-Michel. Et la farine de manioc a été utilisée comme complément alimentaire naturel. Elle est encore très développée en Afrique et dans l'océan Indien. Et a été développée lors de la COP 23 une technologie indonésienne qui justement utilise l'amidon de manioc pour le transformer en sacs
et notamment en sachets biologiques, ce qui fait voyager l'innovation entre les continents parce que ce procédé indonésien intéresse beaucoup les Africains. La lutte contre les déchets plastiques intéresse à la fois les continents, mais bien entendu les océans. C'est un enjeu de gouvernance mondiale et L'Oréal ou encore la chaîne kényane de supermarchés utilisent ce débouché extrêmement intéressant pour développer l'économie circulaire. Et c'est précisément un sujet extrêmement fort qui est inspirant aujourd'hui. Alors, l'économie circulaire entre Villedieu-les-Poêles et Ruffini et la paroisse Saint-Sauveur à Jersey présente un très grand potentiel parce que cette grande capitale du cuivre peut certainement encourager à travers son patrimoine le croisement de filières et pousser les acteurs à innover demain. Je vous ai parlé du rôle très important joué par cet axe horloger transmanche. Bien entendu, les îles anglo-normandes ont été à ce titre des véritables laboratoires d'innovation. C'est aussi un quartier insulaire de Granville qui est l'archipel de Chauzet, qui lui aussi était extrêmement riche en minéraux marins et qui a été un véritable axe transmanche d'échange. Bien entendu, Jersey aussi a été extrêmement porteur dans ce domaine. L'un des écrivains qui résume peut-être le mieux cette relation et ce rapport à la mer, c'est Victor Hugo, qui a été en exil à Guernesey pendant 15 ans. Et il y a véritablement la figure d'un roi au crier de l'océan qui a été au cœur de sa créativité littéraire. Parce que Victor Hugo, dans son œuvre « Les travailleurs de la mer », imagine cette figure d'un roi au crier de l'océan qui refuse le droit d'entrée à l'or et à l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie ayant cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort, ce qui précise ce chemin parcouru en termes d'économie circulaire et qui a pu animer des pôles d'innovation extrêmement forts dans la Manche à travers cette conférence aujourd'hui qui souhaite véritablement valoriser ces chemins de mémoire avec Villedieu-les-Poêles, capitale du cuivre et en particulier la paroisse Saint-Sauveur de l'île de Jersey. Les jumelages, ces dynamiques entre territoires sont encore extrêmement actives. Je voudrais rappeler l'importance également du jumelage qui existe avec Granville et Saint-Brelade, la paroisse Saint-Clément et Cancale, sans oublier Saint-Hélier, jumelé avec la ville d'Avranches. Alors, comment aujourd'hui, quid de Villedieu-les-Poêles, comment faire rayonner cette capitale du cuivre au cœur de la Manche? Eh bien, l'horlogerie est peut-être un élément extrêmement fort qui pourrait justement encourager des chemins collaboratifs, des chemins créatifs. C'est ce dialogue que certainement a inventé, a réinventé à travers la botanique, la nutrition, le carrefour de nombreuses filières qui ont été extrêmement structurantes pour le territoire de la Manche et qui pourraient aussi peut-être ouvrir la relation de passage de témoins avec d'autres villes. D'autres pépites sont à identifier, d'autres trésors sont à imaginer. Et je vous précise que Raphaël Nadal, ce grand tennisman, vient régulièrement à Rennes pour se fournir en montre auprès d'un ami. Et peut-être qu'il y aurait justement, autour du grand passé de Villedieu, des dynamiques collaboratives à imaginer avec d'autres villes, un parcours, pourquoi pas, de l'horlogerie imaginaire qui pourrait justement recréer ces liens entre les côtes normandes et les îles anglo-normandes, en particulier Jersey. Cet axe normand, cet axe transmanche, cet axe normand, Normandie insulaire, Normandie continentale, est un axe historique extrêmement fort
qui certainement pourrait être mise en avant à l'image d'un souvenir rapporté d'un voyage ancien. Je voudrais vous rappeler la marque d'horlogerie française Oweck qui produit des montres, mais celles-ci sont faites à base de filets de pêche recyclés. C'est peut-être ce passage de témoin entre terre et mer qui pourrait inspirer Villedieu. Et le président Emmanuel Macron en a porté une durant le G7 à Biarritz et en a offert à tous les dirigeants, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est reparti avec. Alors, d'autres territoires, d'autres villes sont particulièrement très en avance et pionnières. C'est en particulier la ville de Strasbourg, qui a mis en place un programme extrêmement inventif qui s'appelle l'industrie magnifique. L'industrie magnifique a été essentiellement portée par un groupe de grands capitaines d'industrie et par le génie, l'audace d'un designer. C'est tout simplement le directeur Cronenbourg, le directeur monde du groupe Cronenbourg, qui a été à l'initiative de cette formidable odyssée, l'industrie magnifique, qui vise véritablement à faire revivre des vieux métiers, à les mettre en valeur dans l'espace public. Et c'est précisément cet aspect qui pourrait justement enrichir le rôle de toile économique et culturelle de la Normandie, de Villedieu-les-Poêles. L'industrie magnifique va être relancée du 3 au 13 juin 2021 et c'est peut-être un programme extrêmement innovant qui peut mettre en valeur les pépites, les savoir-faire normands. Je voudrais aussi vous faire voyager du côté de la Bretagne et vous parler du rôle aussi de la glacière de Lorient, ce tiers-lieu maritime qui lui aussi a vocation à accompagner la reconversion de nouveaux, mais aussi d'anciens métiers. C'est ça l'innovation, c'est créer un rôle de défricheur, c'est créer un rôle de laboratoire d'idées et Villedieu pourrait tout à fait être ce pôle qui imagine demain. Je vous ai parlé au début de cette présentation, l'introduction de la marque Zenith qui fait partie maintenant du groupe LVMH. Ce qui est extraordinaire, et la marque Zenith dans sa relation avec Gandhi a aussi quelque chose d'intéressant dans ce sillon de créativité, c'est qu'en plein cœur de Paris, à proximité du jardin d'acclimatation, vous avez la possibilité d'observer ce vaisseau de proue, cette fondation LVMH qui a épousé la forme d'un bateau. C'est peut-être ce clin d'œil avec les côtes normandes, avec la baie du Mont-Saint-Michel, avec ce passage de témoin entre terre et mer. Et c'est certainement un élément, un capital de créativité et d'innovation qui pourrait inspirer Villedieu, grande capitale du cuivre. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et si vous êtes intéressé pour réagir, faire part de votre intention, faire part de vos réactions et faire part de votre question, il existe une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez signaler vos remarques et interrogations. Merci à tous pour votre attention. Place aux échanges. Les avancées horlogères et la marine sont liées. Je voudrais rappeler le rôle extrêmement important joué par les premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps même sur un navire en mouvement. Cela fut une véritable révolution. Cela a notamment permis à des marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Bien entendu, Granville, grande cité corsaire, a pu en bénéficier. Cela a participé aussi au rayonnement des côtes normandes vers d'autres cultures, vers d'autres territoires. Ce métier d'horloger qui s'écrivait sans H au début, avec des origines plutôt espagnoles pour le réglage des canons, il serait intéressant de retrouver comment justement Villedieu
avec le travail du cuivre, a certainement eu des apports, a certainement porté des transferts d'innovation, et ce bassin industriel a certainement développé des contacts extrêmement riches et fructueux avec cet arc horloger transmanche. Je voudrais aussi vous rappeler la richesse des échanges qui existent avec nos voisins anglo-normands. D'abord, la présence d'une maison de la Normandie à Saint-Hélier, qui est extrêmement dynamique, enthousiaste. Et vous dire qu'il y a beaucoup de choses à développer. Le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel est aussi là pour faire vivre ce laboratoire d'idées. Bienvenue à l'ensemble de nos conférences. N'hésitez pas à participer à nos ateliers, relayés sur les réseaux sociaux. Cette conférence sera également enregistrée et elle permettra une restitution vidéo. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. S'il n'y a pas d'autres questions, je répondrai à l'ensemble des remarques dans la bulle de discussion. Je vous propose de clôturer les échanges et je répondrai à l'ensemble des questions complémentaires qui pourront être transmises par courriel. Cette présentation sera aussi transmise et communiquée à l'ensemble des participants. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt.